faut parler au monsieur. Mademoiselle Victoria! Qui es-tu? S'il vous plaît, laissez-nous passer. On est à la recherche d'indices sur Alius. Alius? Tu parles de l'Alius Academy, c'est ça? Comment se fait-il que vous les connaissiez? Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Laissez-nous passer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Et puis c'est quoi cette histoire d'extraterrestre? Il est temps que vous débarrassiez le plancher! Quoi? Ok, alors pour ce faire, je ne me rappelle plus exactement, je sais plus si ça se fait automatiquement, je crois que c'est à cette fille-là qu'il faut parler. J'ai un doute de quelque chose, ça me permet de faire un défi au final, ou elle, je sais plus, c'est une fille, je crois qu'il lui aurait dit. J'ai pris le coffre tout à droite. Ah mais non, d'accord, c'est un truc automatique. On me rappelait que c'était des filles qui en parlaient, voilà. Alors pour ceux qui se demanderaient quand même un petit peu, les daims ce n'est pas le chocolat qu'on mange, enfin le chocolat caramel. Là. Ça n'a aucun rapport, hein. Je précise au cas où. Moi je le fais là, il est midi, hein, actuellement, enfin un peu moins. J'ai un peu faim, j'y pense un peu, mais vous, faut savoir que ce n'est pas du chocolat, du caramel, tout ça. C'est un animal, hein. Alors je précise qu'ils bouffent la même ils bouffent des choses que les daims adorent. Ils boufferaient pas de la bouffe pour daims en fait. Il y en a qui bouffent la bouffe, qui bouffent du manger pour chat, pour chien, d'accord, mais là c'est pour quand même des espèces d'élan. Bon voilà, je veux pas savoir. Pas savoir ce qu'ils bouffent. Alors je suis désolé si j'ai la mémoire courte, je voulais aller voir si j'avais pris le coffre à droite au final. Ça m'arrive souvent de perdre la tête, non ouais c'est bon. Franchement, dans le jeu, je trouve que les musiques du 2 elles sont un peu plus recherchées. Pas dire qu'elles sont meilleures, mais elles sont un peu plus recherchées. Oh, la tête de Timing. La formation que je déteste le plus dans le jeu. En défi. Mais bon, au final, quand le jeu sait, comme le jeu sait pas s'en servir.
Continuez comme ça. Voilà, c'est un peu plus dur de monter de niveau avec l'expérience qu'on gagne, mais ça nous fait quand même gagner des points de motivation et tout, donc c'est pas mal. Hop! C'est quand même le coup fourré le plus pourri du jeu vidéo pour moi, ce passage, hein. Personnellement, mais bon, c'est pas grave. Oh, ces bruitages magnifiques aussi. Pouette, pouette, pouette. Qu'est-ce qu'ils lui font là, les dindes? Il lui fait pouette, pouette, il me fait pouette, pouette. Alors si j'ai pris Modeline aussi, c'est pas pour rien parce qu'il me fallait quand même un attaquant puisque vous allez voir qu'on va aussi en avoir besoin, tout comme les défenseurs. Alors là, niveau des coffres, donc on peut parler Odin, personnellement je le ferai pas. Boisson de sport, alors normalement on a des coffres qui sont un peu sur le côté. Je me trompe peut-être. Si, il y en a, je sais qu'il y en a. Amorcer est pas mal. Bon, on va pas confondre avec Morcer le rappeur entre guillemets, mais elle est pas mauvaise. Vraiment, si vous la prenez pour un début, toujours, parce que je n'ai pas fini le jeu, je ne sais pas à haut niveau ce que valent tous les persos, mais à bas niveau, je crois que c'est une défenseuse assez bonne. Pour le début, je répète pour ceux qui diraient « Ouais, il dit n'importe quoi », je parle pour le début. Ouais, toujours le début. Ok, ensuite là il y a un coffre avec des barres de réal. Alors si vous mettez normal, vous le voyez pas trop, hein. Bon, ça va encore, c'est pas le pire. Il y en a qu'on voit encore moins que ça. Genre derrière, il y en a pas là. Non. Ok, j'espère que je n'en oublie pas quand même. Ensuite il y en a à gauche, ça c'est sûr. Ou pas. Je vais me faire avoir, hein. Je vais faire du fail, hein. De toute façon je suis habitué. Là il y en a un, c'est sûr. Voilà. Ah bah oui. Là voilà aussi. Oh la gueule du... Oh mais le dire là, toi tu me fais délirer. Intercepter le ballon, je crache pas sur ces défis là. Vraiment. S'ils veulent me faire que ça, franchement y a pas de soucis. Oh, un clown acrobate, ça me rigole pas. Pendant un défi, elle me fait ça. On a plus qu'à attendre, hein, que... Par contre, bon, le Bobby qui fait rien, là, au bout d'un moment... Ils sont trois contre moi. Je prends quand même la balle, voilà, c'est trop beau, ça. Faut savoir que les personnages s'adaptent un petit peu à votre niveau, hein. Oh, un point d'expérience pour Eric et 8 pour Marc. Dégueulasse. C'est dégueulasse de voir ça. Donc... 120 points de motivation, moi c'est plutôt des points d'amitié qui m'intéresseraient le plus parce que les points de motivation on en gagne assez facilement. Donc je pense que j'ai tout fait, au pire c'est pas grave. On va récupérer un point de technique. Et on y va. Ensuite, là on a encore un peu de visite à faire. C'est pas très reluisant, je sais. En plus je me prends des défis. Intercepter le ballon encore? Ouais. Ah, cette conne, j'ai jamais débloqué là encore. Allez, on y va. On dirait des Indiens, quand même. Des Indiens. Voilà. Nickel! Presque. Presque nickel.
Alors, qu'avons-nous ici? Un petit coffre. Que je chante bien, après mon karaoké de la première vidéo, je peux faire du yaourt. Est-ce qu'il y a un coffre? Ok. Donc il y a Make Peace and Over Minty Story. Aucun d'eux. Encore intercepter la balle. Bon, mais c'est magnifique les défis comme ça. Quand Kevin il est un peu lent, il devrait un peu se bouger les fesses là. Bon, doucement à monter de niveau. Ça sert toujours. Ok, on va passer sur le côté ici. Rien du tout. Là, à droite, on peut partir, donc nous, on sait pas ce qu'on va faire. On va quand même voir s'il n'y a pas un coffre, et après, on va au milieu. Alors, oui, alors regardez, c'est les Power Rangers qui arrivent. Alors, j'ai pu remarquer qu'ils donnent régulièrement des vieux balles. Alors, on va voir si c'est le cas. On va voir si c'est le cas. C'est pas sûr, je suis pas sûr à 100% que ça va être le cas là. Mais vous allez comprendre à quoi ça sert, je vais vous expliquer après. Ah, j'ai aucun avantage. Non, je vais essayer un tir normal. Tant pis s'il arrête. J'ai pas envie d'utiliser trop mes points de technique. Alors, sachant ce qui va se passer après. Ah, il arrête. Ah, il arrête pas. Ah, j'ai eu peur sur le coup. Bien joué, Raymond. Ah, est-ce qu'ils vont donner un vieux badge ou c'est juste pour le coup? Alors, je les ai pas encore recrutés, je ne sais pas si c'est possible. On va voir. Ils n'ont rien donné. Alors, un vieux badge, en fait, c'est des badges qui sont assez difficiles à trouver, entre guillemets, difficiles. Hein. En fait, en faisant des défis, certaines équipes précises, quand vous les battez, vous donnent donc un vieux badge que vous pouvez changer plus tard contre des. Comment dire contre des objets en fait. Je vais le mettre à lui. Je ne mets pas à Axel, ça sert à rien, de toute façon, il est trop puissant, Axel. J'ai pas besoin de 2 points de plus en tir. Et donc on va aller au milieu. Espérant qu'il n'y ait pas un défi au milieu. Ou en espérant qu'il y en ait un. Juste avant. La classe. Lexion, il est là, c'est lui que je veux. Il est très moche, faut l'avouer. Je le recruterai un peu après. Mais je le recruterai. Je vous dis. Après tout ce qui va se passer, il sera à moi. À moi. Oh merde. Je vais leur passer la balle. On va voir. C'est bon, tout s'est bien passé. Quel but ! Ah, il y en a qui vont presque monter de niveau encore. Allez, c'est parti, on continue. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé. Si je fais ça à chaque fois. Je crois que j'ai fait une bêtise, il aurait fallu... Je suis pas sûr qu'ils soient tous dans l'équipe, mince. Aïe aïe aïe. Bon, pour le prochain match, c'est pas très important, mais j'espère que... Je pense maintenant, je vais vous laisser lire. C'est faux parce qu'un criminel ne revient pas, normalement, un bon criminel ne revient pas sur le lieu parce qu'il a déjà effacé les traces en partant. Na,
Je t'ai niqué, voilà. Premier match. Alors je sais plus si ça... Il y a une spécificité dans ce jeu, je vais rapidement le dire avant de commencer. Vous allez pouvoir affronter des anciennes équipes. Et en fait, le match ne dure qu'une mi-temps. Pour la première affrontement, après vous pouvez les affronter en match amicaux. Là, le match est entier, mais... pour cette rencontre-là, enfin pour... Oula, j'ai eu un petit lag. Un petit RAM. Vous avez déjà joué contre des adultes, contre des vieux. Mais bon, vous avez déjà fait, hein. Donc voilà, alors vous pouvez voir qu'il y a une petite explication, c'est que vous pouvez utiliser des techniques pour bloquer des tirs. Et vous avez dit qu'il avait un angle de tir. Et bien si vous avez un personnage qui se trouve dans cet angle, vous pouvez, si vous avez une technique avec le symbole B, vous pouvez bloquer la technique adverse. Vous pouvez même l'annuler. L'annuler ou la ralentir, ça dépend. J'ai juste réussi à ralentir, jamais à annuler. Alors je sais pas si c'est possible, mais c'est pas grave. Alors on va voir ce qu'on me propose comme formation. Alors, je vais essayer de refaire l'équipe. Vous allez comprendre. Je vais essayer de faire l'équipe comme... Non, déjà, comme je fais d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Alors, le truc, c'est que là, j'en ai un qui s'est... Lui, là, vous pouvez voir qu'il a fait des stats pourris, donc il sert à rien. Et même lui, hein, il est meilleur, mais... Puis c'est un défenseur. Voilà, vous pouvez voir leurs stats, quand même, ils sont pas mal, hein, faut avouer. Ce que je vais faire, moi, là, c'est... Elle, je vais la mettre en milieu défensif, j'avais déjà fait. Et puis skipping, je vais mettre en milieu droit. Voilà. C'est vrai que j'ai mis une technique qui un peu qui lui servira à rien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas réfléchi. Je vais mettre Eric ici. Hop. Donc Chanet, lui, je vais le virer pour un autre milieu. Je sais pas si j'ai autre chose. En plus il servira de défense, ouais. On va mettre Red Castle, mais bon, ouais, c'est pas franchement terrible. Voilà. Je vais faire comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer pendant le match, évidemment, il se passe toujours quelque chose. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Là, je vais vous montrer les adversaires. C'est beaucoup ninja quand même. Donc, nous avons le gardien qui est pourri, hein. Regarde, leurs niveaux ils sont très bas, regardez, ils sont très bas, c'est fait exprès, hein. Et vous pouvez voir que elle,
Il y a lui qui est pas trop mal, on va dire. Bah, pour ses stats au niveau 3. Mais elle, elle monte quand même assez vite et assez bien. Donc en comparant, elle est pas très très forte comme ça. Mais elle est bien plus forte que lui. En tout cas, au niveau stats, c'est sûr et certain. Et puis bon, voilà. Faut voir qu'il y a... Elle est mignonne, elle. Hein, elle a le talent séductrice. Qui est la verse de Morphine, s'appelait. Donc lui était séducteur. Bon, voilà. Je vais pas vous montrer plus que ça. Vous pouvez voir qu'ils ont des niveaux quand même très bas. Donc ça devrait bien se passer. Quelle que soit l'équipe que je mets, normalement, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Vous pouvez voir que Nathan, il a des petites bubules. Que Jack a des petites bubules. Et que Kevin a des petites bubules. Mais bon, pour l'instant, on va s'occuper de lui. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il lui manque des points de technique et des points d'endurance. Ça, j'avais oublié que direct il n'avait pas. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. On va tenter le tir, quitte à ce qu'il fasse un arrêt. Dans ce jeu, dans cette partie, je vais pas essayer non plus de gagner des 4 et 5-0. Je vais essayer de gagner proprement. Normalement. Et là, l'arrêt de sécurité. Voilà. Ah là là, s'il vous plaît, prends la. Oh, il a pas pris. Ah, mais c'est pas possible, laissez-moi prendre la balle. Donc là, j'avais complètement oublié qu'ils perdaient direct leur point de PE. Je suis un peu dégoûté. On va tenter le tac normal. Nickel, sans faute. Yes. Et là, par contre, pas de cadeau. Là, t'en as deux feux, normalement, même si je suis désavantagé, logiquement, ça devrait passer. Je dis bien logiquement. Parce que comme il est très bas niveau, le gardien... Ah, purée. Mais il faut qu'il me laisse jouer, quand même. Ça fait deux fois qu'ils me font le coup. Laisse-moi jouer tranquille. Voilà. Ah, il fait pas sa technique, donc ça m'arrange. Voilà, 1-0. Donc c'est une équipe très facile à battre, très facile, ils ont quasiment pas de technique. Et s'ils attaquent, il suffit de faire une petite main, enfin un petit arrêt spécial. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. Je vais juste changer la... Lui, hop, on va mettre Kevin à gauche. Voilà. Donc là, on approche tout le monde. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Comme il est lent. Il va réussir. Ah, dommage, il était pas loin. Vous laissez faire, hein. Sans vu leur niveau. On va le passer quand même. Oh, ça rebondit sur lui. On tente le tacle. Normalement, ça devrait passer. Sans faute, s'il vous plaît. Voilà. Normalement, il a plus assez de points de technique pour faire ses techniques. Mais comme je suis vraiment désavantagé, je vais pas tenter le diable. On va faire de la tornade de feu. L'essentiel, c'est de gagner, de toute façon. Dépêche appuyée. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi ils sont comme ça et c'est tout con. Ils sont cons, voilà. Faut le dire, ils sont cons. Je vais vous montrer si j'arrive à m'approcher. Je vais faire tir de loin. Ah, raté. Bon, on va tenter de dribbler. On est avantagé, logiquement. Yes! Et je vais cliquer sur le tir de loin. Bon, en fait, non, ça n'a pas marché puisque. Au final, ils sont. Ils étaient trop près donc. Donc, ce que je vais faire, tranquillement, je tente. Je dis bien que je tente un tir normal pour voir si ça passe. Si ça passe, c'est que tant qu'il ne fait pas de frénésie, il ne pourra pas utiliser sa technique de défense, on est tranquille. Si ça passe pas, ben ça passe pas. C'est tout. Et ben ça passe. Donc vous pouvez voir qu'à partir de ce moment-là, vous vous dites,
Ouais. Blanc, qui sait qu'ils ont sur frénésie. Vous attaquez une fois avec une grosse frappe, ils vont faire leur défense. Ils vont plus avoir de points de technique et après vous pourrez tirer de loin comme vous voulez. Ça rentrera. C'est une technique dans Inazuma Eleven, simple à prendre en main et logique au final. On va essayer d'attaquer une autre fois. Hein. Si ça se trouve, ils vont lancer la frénésie. Mais bon, là, ça va. Ils ont l'air d'avoir envie d'attaquer. Ou pas. Je vais essayer de vous. Au moins, vous montrer le tir de loin, mais il faudrait que. Voilà, je vais tirer de loin pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Il tire et après ça, il passe ce qui se passe, il arrête. Et donc selon la lointaineté, il aura plus de chances de la. Ah non, dommage. Il aura plus de chances donc de l'arrêter. C'est ce qui est logique en même temps. Sandwich. C'est une fille, mais on dit rien. Hein. C'est pas une fille. J'adore, vous ne valez pas un clou, je suis en train de gagner 3-0, mais bien sûr. C'est Dominec l'entraîneur, enfin l'entraîneuse. Allez, on va laisser sur le banc. Mais là, il va falloir un peu refaire notre équipe. Donc, tout simplement, déjà, hop, on va remettre Todd où il est. De toute façon, au final, ah, quoi que, au niveau stat, il est quand même meilleur, lui. Ok, bon, bah, ce que je vais faire, alors. Voilà, on va laisser comme c'était. Jack, lui, je vais remplacer par... Ah, mais oui, non, mais voilà. C'est pour ça que Cole Election, j'aurais dû aller chercher en fait. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mettre en défense? Celui qui a la meilleure défense. Hein. Oh bah, il y a lui, mais non, j'en ai besoin. Willy, putain, j'avais oublié lui. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre elle en défense. Et lui, on va le remplacer bah, par un milieu. Hein. Pas grave. On va mettre Bruce. Hein. Bah, j'ai pas trop le choix en même temps au début. Hein. C'est pas. C'est pas de la mauvaise volonté que je mets, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Donc, allez, tiens, viens là. Et toi, tu vas prendre la place de Kevin. Ah, mais attendez. Lui, il a une meilleure défense. Hop, on va le mettre en milieu défensif. Voilà, lui en milieu. Un peu plus offensif. Et on va laisser... Alors, le gardien, il est quoi? Ouais, bon, on va rester comme ça. À la limite, Axel, je peux le mettre au centre. Je vais faire ça. Et Modeline, je vais le mettre à droite parce que je préfère mettre Eric à gauche. Voilà. Allez, je mets un peu de temps, je suis désolé. Mais remplacer tout ça, tout ce beau monde, c'est pas facile, facile. Allez. Je rapproche tout le monde. J'ai l'impression qu'il me manque un joueur. Je dois avoir un joueur en plus qui doit être en réserve. Alors là. Oh, zone analytique, attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, y a pas faute là, l'arbitre. Je suis désolé, mais il peut y avoir que faute là. Ah non, c'est abusé. Nathan, Kevin, Jack, pourquoi eux? Mais laisse-moi jouer!
J'ai eu un peu des bugs là en ce moment, mais j'espère que ça va pas trop trop durer. Des bugs de son. Voilà, ils préviennent pas quand ils recommencent, et puis voilà, j'en préfère un 3-2-1-0. Mais tout se passe bien puisque Eric a fait faute et on ne sait pas pourquoi. Il a sauté par-dessus, il a utilisé sa main, il a utilisé. Il a mis le ballon dans son t-shirt, dans son maillot, et il est passé. C'est un truc comme ça que j'ai eu penalty et que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est un truc comme ça qui s'est passé. On va pas marquer contre son camp lui. Ah, et frénésie, bon. Frénésie, tant qu'il n'y a pas de truc comme ça, je lance pas. Voilà, maintenant je lance. Et on va tenter le tacle, et si il utilise une technique ou quoi que ce soit, ben tant pis pour moi. C'est bon, il y a faute. Et là. Donc, le petit tir hélicoptère, parce que je pense qu'il a peut-être les points pour utiliser son mur, là. On va voir, hein. Est-ce qu'il a ou pas? Non, je suis pas sûr, en fait. J'ai pas regardé combien celui-là avait pris. 4-0. Ouais! Bien joué, Raymond! Que ce match est très facile, évidemment. Mais moi, je trouve ça sympa, des matchs comme ça. Moi, je suis toujours le tacle, quitte à faire faute. Là, il va y avoir duel, même pas duel, deg. Ah, j'ai failli l'avoir encore. Arrgh. Voilà. Je peux rien faire, donc bah, je vais tirer. Tirer, je vais tirer. Et s'il fait sa technique de défense, bah, tant mieux pour lui, il y aura un but, il marque. Ah bah c'est bon. Je pense que ça doit lui coûter 25, un truc comme ça, il doit pas avoir assez. Bon bah 5-0. Vous pouvez tirer maintenant. Enfin, je peux tirer, parce que c'est moi qui joue, mais bon. C'est dedans, blablabla. Continuez. Oh, elle a failli, hein, à 3 points près. Non, je vais passer à lui. Qui repasse. Axel qui tire. Ah merde, j'ai raté mon coup. Enfin, c'est lui qui a raté son coup. Ah, oh, mais c'était à moi ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, y'a faute! Oh purée, il m'énerve! Ok, allez, vas-y! Vas-y, Axel! Ouais! Allez, y'a pas faute! On attaque! Allez, j'aime bien faire les techniques, ça fait gagner du temps. 1 minute pour frapper une balle. Olivier Tom, syndrome. Ouais. Quel but. Voilà, normalement, tout se passe bien. Franchement, pour défendre, j'ai même pas besoin de technique de défense. Je fais que des tacles. Y'a vraiment pas besoin, hein. Même pas pourquoi j'ai voulu mettre des techniques aux autres, ça servait à rien. Ok, ok, ping. Oh, y'a faute. Oh là là, je lui ai fait mal. Bon, ben, j'aurais voulu tirer de loin, mais. J'ai tiré comme un fou. Mais bon. Voilà. Oh, mais c'est bon, hein, pas besoin d'en prendre. Ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on va gagner comme point d'expérience? C'est pas beaucoup, hein, tout ça, monsieur. Oh, il y en a qui étaient presque en train de monter de niveau une deuxième fois, ils exagèrent, là. Ils étaient pas loin. Y a personne qui apprend de technique. On a gagné des chaussures de sécurité qui donnent plus 2 ou plus 3 en tir, je sais plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. La séquence qui sert à rien, on va rien dire, Ouf. Donc voilà, il y a des matchs amicaux. Je rappelle comment ça se passe rapidement. Vous refaites des matchs contre des équipes que vous avez déjà ou pas, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, les matchs amicaux qui vous montrent, c'est des équipes que vous avez déjà jouées. Si vous gagnez plus de 5-0, plus de 5 buts d'écart, 5-0 à partir de 5-0, je sais plus, vous avez des rangs, un rang S, sinon vous avez un rang A, un rang B, un rang C, un truc comme ça. Et puis voilà, je sais pas s'il y a encore les rangs dans ce truc là. Je sais pas. Mais il y avait des rangs dans le 1, j'imagine qu'ils sont dans le 2. Et vous avez un coffre à la fin de chaque série de matchs, voilà. Mais c'est quoi?
Ok, faut chercher des indices dans le parc Deerfield, tout simplement, quand vous allez descendre. Venez là, et vous le parlez. C'est ce fut le plus difficile indice à chercher, hein. C'est très naïf. Ok, donc on va se barrer de là. De toute façon, il n'y a plus rien d'intéressant. Là, il y a beaucoup plus de monde du parc. Non, c'est pas encore.